En 1976, Giulia Sapienza, écrivaine sicilienne jusqu'alors inconnue, achève un roman inédit de 800 pages, L'art de la joie. Quand ce texte est venu à nous, en France, il n'était même pas connu en Italie, à peine diffusé. Et ce qui fait que c'était très problématique au départ, parce qu'il fallait aller vers des lecteurs et notamment des journalistes, des libraires, en disant « ce livre est tellement important que vous savez quoi ?» Dans son propre pays, il n'est pas publié. Les Italiens ne la connaissent pas et vous ne pouvez même pas la rencontrer parce qu'elle est morte. Un livre unique teinté de scandale dans lequel elle compte la saga sur près d'un siècle de Modesta, son héroïne sulfureuse, éprise de liberté, qui transgresse toutes les lois pour atteindre ses désirs. Cette femme, du père et mère, se fait violer, aime aussi bien les hommes que les femmes, commet les choses les plus affreuses, mais à aucun moment elle ne doit payer. Il n'en est pas question. Fin de l'histoire. Le texte est refusé pendant 20 ans par tous les éditeurs italiens et Giulia Sapienza meurt avant la publication et le succès de L'art de la joie. Même en lisant, il y a des moments où tu fais « Oh là là !» Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, mais comment ça? Certains passages au cours de la lecture sont assez perturbants. En 2005, un miracle se produit. Le texte est découvert en Allemagne, traduit et publié en France. En quelques semaines, il devient un phénomène littéraire. En quelques années, le roman est considéré comme une œuvre majeure de la littérature. Aujourd'hui, toute une génération s'en empare, érigeant Modesta en figure d'émancipation. Je pense que L'art de la joie est une expérience de lecture. C'est un roman transformateur. Rencontrer Modesta, c'est plonger au cœur de l'esprit singulier de Giulia Sapienza, écrivaine et femme insoumise.